lâcherait jusqu'au bout ensemble. Salut les filles et garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance focus abdo cardio. On va brûler un maximum de calories en renforçant sa sangle abdominale, tout ce qu'on aime pour terminer en beauté cette troisième semaine du bikini avec Sissi. On dit évidemment bonjour à Tini à la régie. What's up everybody? Et je vous propose d'attaquer de ce pas avec l'échauffement du coup au sol directement, comme allez, ça on est bien. C'est parti, échauffement poignet. Alors on va se positionner sur les genoux et sur les mains et on va venir effectuer des mouvements vers l'avant. Donc pour ceux qui ont suivi Yogi Time, notre programme avec Morgane, notre coach de yoga, vous connaissez cet exercice. On tourne ensuite de 90 degrés sur les côtés. On inspire bien, on souffle. Ok, donc là on est en train d'échauffer les poignets, on les retourne vers le corps. Tout simplement parce qu'on va faire beaucoup de gainage. Ok, 4 co, on se remet en position normale. On inspire bien en creusant le dos et on déroule vertèbre par vertèbre en expirant. On effectue donc le mouvement plusieurs fois. On sort la poitrine et on enroule le bassin. On rentre les fesses. Allez, dans 5 secondes, on passe sur un gainage de face. C'est parti. Ok, on va tendre tout simplement les jambes. On se positionne toujours sur les mains. On commence à échauffer les épaules. On rentre dans le vif du sujet. Vous allez voir pas mal d'abdos. D'abdos que vous aimez, un petit peu de gainage évidemment pour le renforcement profond du corps et du buste. On repousse bien sur ses épaules. 10 secondes. Yes. Ce soir, j'ai gardé le petit Swift, parce que nous avons une petite brise, nous sommes au printemps quand même les enfants. Donc gainage côté, let's go. Ok, mais j'ai un Swift encore de qualité. Magnifique. Je nous fais Fashion Week en ce moment dans le Bikini X ici. Ah oui. Là on est sur les coudes, on repousse toujours bien au niveau de l'épaule, on gagne les abdos, bassin vers le haut. On inspire bien, on souffle. On est toujours dans l'échauffement, hein, donc on savoure. On prend du plaisir. On prend du plaisir parce que ça va pas durer. Non, je plaisante. Dans la souffrance, oui, mais toujours avec fun. On change de côté. Yes. Je twist, mais vous pouvez juste changer de bras de votre côté. Moi, j'essaie de rester face à vous tout simplement. On inspire bien. On expire. Allez, on s'accroche. C'est que le début. Vraiment, on rentre en condition. On réveille ce corps. Qui a de certaines chances et rester assis toute la journée. On enchaîne ensuite sur une planche to frog. Ok. Let's allez, je go. Me remets dans la position d'origine. On se met en planche. On vient poser ses genoux et s'étirer. On peut faire la même chose lorsque l'on est chaud sans poser les genoux. On inspire bien. Et on repousse avec la force des jambes. Vous allez avoir les quads qui chauffent un peu. Hein. C'est normal. C'est normal. Ça tombe bien puisqu'on va ensuite enchaîner sur des squats. Mais attends, c'est travaillé tout ça, Tini. Hein. Allez, transition. Ok, on pose un pied, on se relève et on part sur un squat. On inspire bien et on souffle. Yes, magnifique. Donc là, vous voyez, on commence à réchauffer le corps. On a commencé par le haut, on descend. Yes. Allez, on expire. Dans 5 secondes, on va passer en statique. 3, 2, 1. Et on bloque en bas. Donc là, on reste en bas. Pareil, on s'installe gentiment. On inspire bien, on a les quads qui chauffent. C'est normal. Vous allez voir, c'est que le début. Parce que la partie cardio, elle va être courte mais intense, mais on va brûler des calories parce qu'aujourd'hui c'est vendredi et que vendredi c'est souvent pizza night, je le sais, on sait tout. Donc aujourd'hui double dose de cardio. Vous aurez même droit au spritz, la totale. Extension de mollet, let's go. Ok, on reste en bas et on lève, on décolle les chevilles du sol. On inspire bien et on souffle. Yes, allez, on continue. Si ça commence à brûler, on peut remonter un petit peu, mais sinon, on s'accroche.
Allez, on tire. Allez, 5 secondes. Yes. Et 30 secondes de pause. Ok, on remonte, on détend les quads, ça va faire du bien. On va enchaîner avec les abdos. On commence par ce que vous préférez. Je ne sais pas si vous avez remarqué les filles de jambes, mais aujourd'hui, je vous brosse dans le sens du poil. On commence par les abdos. Pour terminer en beauté, parce que quand même, un vendredi soir, si je vous infligeais des choses horribles, ça serait quand même pas très sympathique. Et pour le coup, brosser dans le sens du poil, elle vous a préparé une série en 45 sans pause. 45-45. 45-45, chaise renversée, c'est parti. On est parti les filles de jambes maintenant. On est à la semaine 3. La fin de cette semaine 3 d'ailleurs du PS8. C'est à la fin de ce programme. Ben c'est vrai, hein, la chaise renversée n'a plus de secret pour les filles de jambes quand même. Non. Donc vous connaissez genoux à 90 degrés, si vous arrivez un peu en cours de route, vous raccrochez les wagons un peu tardivement. Tout simplement, le dos doit rester plaqué évidemment sur le tapis. Les jambes fléchies, on vient toucher les talons au sol, paf, et on remonte. Si vous sentez que votre dos se décolle, on s'arrête à mi-hauteur. Et on remonte, aucune obligation d'aller jusqu'en bas. Allez, dans 10 secondes, on passe sur des touchés talons. Ok. On peut décoller les omoplates pour intensifier aussi un petit peu. 3, 2, 1 et go. Ok, pied au sol. On va venir décoller les omoplates et effectuer un petit twist avec le buste pour aller chercher des talons. Si vous avez des grands bras, les pointes de pied. Évidemment, plus vous écartez vos talons du corps, plus ça sera difficile. Donc là, on reste vraiment en tension tout le long. On a toujours ces omoplates qui sont décollées. Alors avec le sweat, vous en rendez peut-être un petit peu moins compte aujourd'hui. Je suis désolée, mais on va essayer de ne pas choper une pneumonie et d'être toujours là pour cette quatrième semaine. Donc, on a sorti la petite laine ce soir. Donc, on va toucher autant que possible ses pieds. Dans 5 secondes, on passe sur un lever de jambes chiffre. Ouh là là, celui-là il est drôle mais il va piquer. Vous allez voir. Ok, on met les mains légèrement sous les fesses, on tend ses jambes et on va dessiner le chiffre 1. Toujours avec la force des abdos. On enchaîne sur le 2 et puis on fait un beau 2. Hein. Vous ne me faites pas un 2 caca. Hein. Le 3, facile le 3, on l'aime bien. Alors le 4, ça va se corser Tini. C'est toi l'inventeur de cet exercice redoutable en plus. Et je n'en suis pas l'inventeur mais... C'est toi qui nous l'as introduit. Je l'ai pratiqué toute ma jeunesse. Ah, le 5. Le 6. Qui c'est qui t'a refourgué cet exercice de la mort? Et je crois que c'était mon coach de triathlon. Oh là là, pas très sympa ce coach. Hein. Ou de boxe thaï, je sais plus. L'un ou l'autre. Allez, on continue. Moi j'en suis au 8. Allez, le 8 on il est passe easy. Levé de buste. Et le 9. Ok. On pose maintenant les pieds au sol. Levé de buste. Alors on va le faire full amplitude. Vous savez quoi? On se relève complètement et on se rallonge. On inspire. Si on veut compliquer la tâche, on tend les jambes complètement. Mais surtout, évitez vraiment de caler vos pieds sous vos meubles. Il y en a beaucoup qui font ça, je sais. Entre guillemets, c'est de la triche, mais c'est pas une bonne triche. Parce que ça va pas vous faire progresser. On inspire et on souffle. Qu'est-ce que t'en penses, Tini? Je suis d'accord avec toi. Ça va alors. Et la suite, ça va être des levées de jambes dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, go. On se rallonge, main le long du corps, on lève les jambes et on descend. Là, c'est pareil, j'évite de mettre les mains sous les fesses. Je préfère que vous arrêtiez à mi-hauteur, par exemple, plutôt que d'être là et de descendre jusqu'en bas. On contrôle vraiment son dos. Hop. Et on remonte et on bloque avec la sangle abdominale, vous sentez? Ok. Allez, on inspire. Celui-là, il est extrêmement dur si on le fait vraiment bien. Ok, on souffle et on remonte. Allez, on s'accroche. Oh my god, ça pique. Allez, 10 secondes. Heureusement que c'est la fin, Tini. Hein, et oui, il reste un exercice. On va enchaîner sur un relevé de buste touch cheville dans 2, okay. 1 et go. Alors là, on s'allonge. On va venir toucher un pied, puis l'autre. Donc on garde le pied opposé au sol, mais vous allez voir, waouh, la brûlure est réelle. Ok. Martini, à chaque fois que je me fais avoir, je me couvre à cause de cette petite brise. Et après, j'ai chaud, tu vois, la séance me réchauffe. Et oui, je sais, je sais. Allez, on inspire bien. Et reste couverte. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on dit, en avril, ne te découvre pas de fil. Exactement.
Je sais pas si vous avez vu toutes ces planches à voile derrière. Et dans le thème aujourd'hui sur le Bikini Next ici. Hein. Allez, 3, 2, 1 et pause de 30 secondes. Bravo. On va enchaîner sur un bloc cardio. Et ben on va se relever les enfants. Les abdos, c'est terminé. On se détend. On peut étirer un petit peu son buste. Ouh, ça fait du bien. Ok, qu'est-ce qui nous attend Tini? 15 secondes, on reprend sur un tipping plus jump latéral okay. En 45-15. Magnifique, on se positionne à l'extrémité de son tapis, on va partir sur un tipping et à chaque clap de main, on saute sur l'extrémité opposée. On c'est est parti. Dans le starting block, c'est parti, tipping, tipping et on jump, yes. Ok, on s'accroche. Wouh, allez, on y va. Allez, ok. Tipping, tipping, tipping. Ready, ready, ready. On y va, petite feinte. On y est. Et on repart. Yes, on s'accroche, les enfants. Hein, on s'accroche, on s'accroche. On s'accroche, on s'accroche. Allez. Ok. Et on est reparti de suite. Et encore une fois. Oh là là, là, je vous fais des feintes, là. Là, je suis du beurre taquine ce soir, Tini. Hein, je vois ça. Allez. Ok. Alors, on s'amuse un peu comme on peut, hein. Yes! Allez, 5, on continue. 4, 3, 2, et dernier, 1 et break. Wouh! Ok! La suite s'avère costaud, puisqu'on part sur un burpees plus squat twist. Ok, burpees, et quand on remonte, pas de saut en revanche, de squat twist. C'est vous parti. Les connaissez. Ok, celui-là il va être chaud. Hein. Et oui, en 45 secondes. Ouais. On a les abdos qui sont toujours en feu. Yes. Ok. Allez, là c'est le moment où on s'accroche. On respire, on souffle, on se concentre. Si c'est compliqué, au niveau du squat twist, on ne fait pas une full flexion. On lâche faire une rien. Full flexion. Yes. Regarde ça. On est dans le rythme, hein? On est dans le rythme. Yes, allez, les enfants, on s'accroche, les filles de Jean. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, et break. Wouh! Super. Ah, celui-là, il dépote, hein? Allez, ensuite, on enchaîne sur un jump avant-arrière. Celui-là va faire mal. On inspire bien. Le but, c'est pas forcément de descendre trop bas, mais d'être dynamique. Et break. On est ready? C'est parti. Donc vous voyez, petit saut, light, on s'accroche. Vous avez une option, quand ça devient trop difficile, vous pouvez partir en tipping. Tout simplement, vous relâchez un peu les cuisses et on repart. Allez, on inspire bien. Waouh, ça brûle, Tini, hein? Ah, je vois ça. Ouh, les cuisses. Je vois que tu t'es chauffé sur ce bloc cardio. Écoute, troisième semaine. Il y a du level maintenant, hein. Eh oui, c'est pour bien Attends. Préparer le week-end, n'est-ce pas? Oh oui. La pizza nous attend, Tini. J'ai hâte. 5 secondes. Ok, on tient. C'est dur, ça brûle, mais et on lâche rien. Break. Waouh, celui-là, je l'ai détesté. Je pense que vous aussi à la maison, dites-le nous dans le chat, dans les commentaires. Waouh. La suite, c'est montée de genoux. On aime bien monter de genoux. Merci, Tini. De rien, Sissi. C'est on parti Ça détend presque les cuisses, tu vois, en fait, à l'arrivée. Ah. Comment garder le cardio élevé en souffrant un petit peu moins. Mais je te conseille de bien souffrir moins, parce que ce qui arrive après... Ne me dis pas. Je ne dis pas. Je préfère rester dans l'ignorance. Ça marche. Allez, on récupère. On profite de cette phase pour récupérer. On inspire, on souffle. On fait circuler le sang dans ses cuisses, on évacue un peu. Ça circule, là, ça circule. Super. Ouais, on inspire bien et on souffle. Yes. On en profite. Combien nous reste, Tini? Il reste 5 secondes. Ah, 3, qu'est-ce qui nous attend? 2, 1, il nous attend un break. Et ensuite, pour terminer ce bloc cardio, ce sera un squat touchdown jumping jack. Oh, mais il va être fun celui-là. Il va être dur, mais il va être fun. Vous allez voir. Non, on va bien aimer. Petit squat, touchdown. Et à chaque fois, jumping jacks. C'est parti. On y va. Ok. Regarde, celui-là, il est drôle. Moi, j'aime bien. Tini, il est fun, lui, non? Il est très fun. Yes. Il Ouh. Est très, très fun. On adore celui-là. Allez, on continue. Ça,
c'est le mix quand tu sais pas faire. Tu fais un jumping jack, un squat, tu fais les deux en un. T'as vu ça? Combo. Pratique, le combo. Le combo parfait. Allez, on s'accroche. Les cheveux au vent, Pocahontas aujourd'hui. Allez, Pocahontas avec un peu moins de cheveux quand même. On ne remerciera pas maman. 5, 4, 3, 2, 1 et break. Ouh. Mais pas tant break que ça puisque c'est l'heure du temps attendu, temps redouté. Oh bikini non. Challenge. Oh non, le bikini challenge a retenti. Il a retenti. Alors Tilly, aujourd'hui je vous propose de vous mettre au sol et de faire une ça, j'aime bien. Planche jacks, maximum de jacks en une minute. Oh my god. Je demande à la régie de compter les jacks pour moi. Ok. Eh ben, ça va être compliqué aujourd'hui, ça va être compliqué. Allez, vous êtes prêts? 3, on est prêts. 2, 1, let's go. C'est parti. 1, 2. Ok, 5. Allez, fit jaw. Et 10. On s'accroche. Hé, je crois que tu m'en sucres un peu, concentre-toi. Hein. Non, non. Je vois venir lui. Hein. Allez, Tini. Allez, fit jaw. On essaie d'accélérer le rythme. On peut. Allez, on tient. Accroche-toi, Tini, hein. N'en loupe pas, hein. J'en loupe pas. J'y tiens, hein. Allez, on tient. Et 40. J'accélère le rythme un peu. J'espère que vous aussi, les filles de gens, faites du mieux que vous pouvez. Et 50. On est à combien de secondes? Tini est perdu là. Ce sera la surprise. Et 60 et terminé. Ouh, on a fait 62. 62 en combien? En une minute. Mais c'est magnifique. C'est royal. Et oh, je ne pouvais pas te dire le temps et compter. Et regarder je le chrono, sais, je sais. Dites-nous évidemment votre score, les filles de gens, en commentaire. J'espère super que vous avez donné le meilleur de vous. Ça nous a réchauffé en tout cas. On reste au sol. La dégoulinance est là. C'est parti pour un bloc abdos dans 10 secondes. Ok, on passe au quel exercice? Oh, en 45-15. Alors, je vous propose les fit jaws deux versions. C'est parti! Le vrai, l'unique, le holo levé. Mais si vous préférez, on peut partir sur un W un peu amoché, tu vois. Un truc approximatif. Un truc, ouais, c'est, tu sais pas trop, c'est WQ, on sait pas. Donc, le but c'est d'avoir, vous voyez, les épaules qui se soulèvent vraiment du tapis. Il fait chaud là-dedans, Tini, je suis en train de nous baptiser tous nos suites. C'est pas grave, ouh, c'était pour ça. Ils sont là pour ça, pour ils dégouliner dedans justement. Ça. Allez, on tient. On s'accroche. 10 secondes. Si on est chaud, n'oubliez pas. Ouh, ça picote. 5 secondes. On tient. Et break. Ouh. 15 secondes de pause, on enchaîne sur des crunchs croisés. Ça, on aime bien. Alors, les futurs, on va se mettre en chaise renversée et on va croiser, mais on revient à chaque fois à la position initiale. On attend le top départ. Et parti. On commence par un côté et on revient. Donc là, on garde les épaules et les omoplates décollées du sol et on prend son temps. Contrôlez le mouvement. Si vous allez trop vite, en fait, vous allez moins bien travailler. Quand on fait ça, moi j'aime pas trop, je préfère qu'on prenne vraiment le temps de décomposer, de passer par la chaise renversée. Oh yes, moi je peux vous dire que je sens que ça. Hein. La brûlure. Allez, on s'accroche. Fire. Yes, on est mine de rien, pas très loin de la fin de ce training. Ah, on aime bien entendre ce genre de phrase. Si tu pouvais nous le dire plus souvent. Ouais, malheureusement. Allez, 5, 4, 2, 1, break. Okay. La suite, c'est un lever de jambes alterné. Ça, on aime bien. On va à chaque donc fois, elle dit ça, on aime bien. Ben, on aime bien s'entraîner, Tini, à avec ça, les petits gens. Moi, je suis contente d'être là aujourd'hui. Allez, c'est parti. On descend une jambe en gardant l'autre en l'air et on remonte. Toujours option avancée, on décolle les omoplates. De toute façon, vous l'avez compris. Hein. À chaque fois qu'on décolle le buste, on intensifie l'exercice. On respire bien, on souffle. On a toujours tendance à après avoir le buste qui s'allonge. Donc on fait tout pour le garder haut. On peut même mettre ses bras parallèles au tapis pour aller chercher le plus loin possible.
Les jambes, vous voyez, sont pas complètement tendues, mais c'est pas très grave. N'est-ce pas, Tini? C'est pas très grave. Ça fait un peu crapaud sur les bords, mais c'est pas grave. Ça passe. 5, 4, 3, 2, 1, et break. Ok. Et on enchaîne ensuite sur une mini chandelle. Ça, ça va faire mal. Par contre, ça, on n'aime pas la mini chandelle. Mini chandelle, les filles de Jean, vous connaissez. Mais moi, je profite du repos avant. Hein. Et c'est parti. Ok, quand faut y aller, faut y aller. Hop, on décolle le bassin et on revient. Toujours dans le contrôle. On se balance pas, hein. On fait pas ça. Hein. Non, on contrôle. Bam, et on retient la descente. Ouh. Allez, c'est le dernier exercice de ces abs. Eh ben tant mieux parce qu'on l'aime pas beaucoup. Allez, on tient. Secondes. Ok, heureusement, c'est bientôt la fin, les filles de Jean, on tient. Il est infernal, il est atroce, il est démoniaque cet exercice. Allez, 3, 2, break. Waouh. Il nous reste la dernière partie de ce training, Tini, le finisher cardio. Là, ça va piquer 3 exercices, 2 circuits. On va falloir tout donner, n'est-ce pas, Tini? Exactement, et on va démarrer par un garde twist. Donc, et ça, reprenez vos esprits. Ça a piqué, je vous le montre. Hop, petit twist, 180 degrés en garde pour ceux qui ont fait boxing squat sur TSE. On se prépare. 3, 2, 1 et go. Et on y va. Et là, il n'y aura pas de stop. Hein. Non, là, ça secondes. Va piquer, ça va être dur, ça va être intense. On va s'accrocher jusqu'au bout pour terminer cette semaine de folie. Chaque garde twist supplémentaire vous offrira un apéro de plus. Ah. C'est Happy Hour le vendredi chez c'est TSE. Happy Hour sur Bikini avec Sissi. Un exo de plus égale un verre supplémentaire. C'est allez, offert. On va enchaîner sur des squats dans 3, 2, 1. Ok. Et go, squat dynamique. Hein. Squat normal, sans saut, mais on garde la vitesse. Allez, on est en dynamique. Plus vite que ça, Tini. Il faut prendre le TGV. Les petits bateaux qui nous rendent visite. Super. Magnifique. On adore. Tu es au courant qu'on n'a pas le TGV, je canisse quand même. Hein. Je me dis dynamique, mais... C'est pas grave, on va aussi vite que possible. On est tranquille hein, sur la Côte d'Azur, nous, en temps normal. Hein. Allez, 5 secondes et on enchaîne sur des burpees dans 2, oh my God. 1 Ouh. Et go. Ok, ready, on y va. Ok, si c'est difficile, n'oubliez pas évidemment, sans le saut, c'est possible. On souffle bien. Ok. Wouh. Ok. Allez. 5 secondes. On continue. 3, 2, 1 et garde twist. Wouh. Allez, on enchaîne. Sur le côté allez, direct. Allez, on s'accroche. Là, c'est dernière. Le dernier round. Minute 30. Faut de tout ce donner. Training. Oh oui, Tini. On donne tout. On est à fond, on est là. On termine la semaine comme il se doit. Allez, on allez, respire bien. Waouh. Là, on est en train de s'affûter le cuisseau. Un bon petit gigot pour ce soir. Allez, on continue. Entre les apéros et le gigot. Ah, ce soir, ça va être festin c'est la maison. C'est festin. Je crois qu'il y avait la pizza aussi. Et la pizza, c'est vrai. Allez. Ouh, que c'est lourd. Elles sont donc à ces 30 secondes. Hein. Allez, break. On change sur un squat dynamique. Il nous avait oublié, Tini, je le sais. Mais non, j'ai rien oublié du tout. Et quand t'arrives même plus à faire les squats, c'est là que tu te rends compte que ce finisher cardio, il est intense. Vous serez fiers de vous quand ça sera terminé. Alors on donne tout. Waouh. Allez, 10 secondes. Ça picote, hein. Ouh. Le sourire 5 toujours. 5 secondes. Et burpees. Et les burpees de l'enfer. C'est parti. On descend. On peut les faire sans saut. Parce que là, j'admets, je suis dans votre cœur, les filles de Jean. C'est extrêmement difficile. Et vous voyez, on adapte. Et surtout, on ne s'arrête pas. 15 secondes. Allez, on enchaîne. On a fait un max jusqu'à la fin. C'est la fin. 10 secondes. 9. Wow. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Wouh! Terminé les filles de Jean! Bravo les filles!
Bravo les garçons, vous avez tout donné jusqu'au bout de cette séance. J'espère que vous êtes fiers de vous, que vous êtes satisfaits. Profitez bien de votre soirée, de votre week-end. Récupérez bien parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière séance. À bientôt. Ciao, ciao.